Bonsoir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, moi non. Allez, assieds-y. Bon, expliquez-moi votre venue. C'est une longue histoire. Tu sais, j'ai tout mon temps. Et moi, je m'en fous. Ils sont là. Tu penses que c'est habité? Non, ça a pas l'air. Y a pas grand-chose. Ah, mais qu'est-ce que y a, tu es là? Bon, Antoine, j'espère que t'as vraiment bien fermé cette porte. J'espère surtout qu'elle va tenir, ouais. C'est le porte blindé, Buck. D'accord, ce genre de truc, c'est censé pouvoir retenir une explosion nucléaire. Censé. Mais bon, écoutez, on reste prudent avant qu'il fasse péter cette porte. Mais ils vont pas la faire péter. Ça tient à une explosion nucléaire. Ouais, ben ça, on sait jamais. Caleb, Antoine, Elias et Elena. À vous. Mathilde, Jules. L'air, ça se gaspille pas dans un bunker. C'est ventilé, non? Et donc, ici, c'est l'endroit où vous vivez? Disons qu'on vit un peu partout sur le secteur. On aide les communautés dans le besoin. C'est-à-dire, dans le besoin. Bien leur venir en aide, leur apporter de l'eau, de la nourriture. Et les provisions que les déserteurs vous donnent ne sont pas suffisantes? Attendez, mais vous venez d'où? On vient de Charente, où on avait nécessaire pour
bien vivre. Putain, encore une fois, les hyènes distribuent inégalement la ressource. Raison de plus pour les défoncer. Les défoncer? Oui, les défoncer, c'est à cause d'eux si on vit sur cette planète de merde. Elias, calme-toi. C'est à cause d'eux si on est enfermé ici. Elias, m'oblige pas à répéter. Alors oui, on va les défoncer. On va leur faire vivre ce qu'on vit depuis toujours. Elias, bordel! Alors accepte ce combat. Retourne dans ta communauté de pouilleux. Elias! On est tous fatigués là. On va dormir. Elias, s'il te plaît, trouve de quoi faire dormir nos invités. Caleb, pas besoin. On va partir. J'ai dit personne ne sort. Non, Caleb, on voit bien qu'on vous dérange. J'ai dit personne ne parle. Et pourquoi? Parce qu'on est enfermé dans le bunker. Dehors là, il y a des tas de soldats qui vous attendent. Il faudra m'écouter jusqu'au moment où on sortira de ce bunker. Bon bah, ils sont plutôt cool. On n'a pas la même définition de cool. C'est quand même sympa qu'ils nous accueillent. Ah bah super accueil. Tu regrettes d'être parti? Non, pourquoi? Bah, on vit une sacrée aventure, mais c'est pas ce qu'on espérait. Je m'en fous, je veux juste partir d'où on venait. Mais c'était quand même un autre style de vie. De toute façon, c'est l'histoire ancienne. Aujourd'hui on est ici, alors aujourd'hui on fait comme ça. Y'a plus de retour en arrière. T'es si sûr de ça? Oui, Mathilde. J'en suis sûr. Putain, mais ça m'énerve ça! T'es sûr que c'est ça qui t'emmerde? Je vois pas ce qui pourrait m'emmerder à part le fait qu'on est obligé d'accueillir deux inconnus qui sortent de nulle part et qui nous ont rameuté un groupe de hyènes. Bon, c'est pas si grave, on en a déjà tué pas mal des hyènes. Puis ils ont pas l'air si méchants. Qu'est-ce qui te prouve qu'ils vont pas nous la mettre à l'envers? Si ça se trouve, ils l'ont déjà fait dans d'autres communautés, ils sont là pour faire pareil. Oh, t'es vraiment parano? Peut-être, mais c'est ce qui m'a sauvé jusque-là. Ouais, bah on est pas en bonne posture là. On est en sécurité dans ce bunker. Qu'est-ce qu'il y a de sécurisant à s'enfermer là-dedans? Je suis là. Moi, je vous protège. Mais ne compte pas sur Jules et Mathilde pour le faire. Tu fais quoi là? C'est une bonne question. Tu sais pas ce que tu fais? Non, je sais jamais vraiment ce que je fais. Je comprends rien. De quoi? Je sais pas c'est quoi l'intérêt de pas savoir ce que tu fais. Bah quand tu sais pas ce que tu fais, à la fin, t'es jamais déçu. C'est quoi ça? C'est une coupure de courant. Ouais, mais ça va revenir. Oui, 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 il y a une petite lumière rouge là qui va pas tarder, c'est le système de secours. Ok. Ça met du temps à s'activer quand même là. Oui, sois patient. Ouais. Bon, je vais voir les autres. Tu vas tomber. Eh non. Ah, je te l'avais dit. Putain, mais je comprends rien là. C'est un Schneider. S'en fout que ce soit un Schneider ou non. Oui, Mathilde, c'en est un. Tu connais un peu dans le domaine. Il revient bientôt le courant. Deux secondes. Putain, mais s'il m'a montré mille fois, je sais pas comment ça marche là. Je peux essayer? Tu sais bien marcher toi. Straight lights in my face.
got straight lights in my face. What a beautiful night. T'as appris ça où? J'ai appris pas mal de techniques quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup. J'imagine, ouais. Donc, vous venez de Charente avec Mathilde? Ouais, c'est ça. Je connais bien le secteur, tu sais. Ah ouais? Ouais, je suis né là-bas, mais je suis venu dans l'Allier. Le climat est quand même un peu meilleur. Je suis pas trop sûr. Ouais, c'est clair. Le climat, il est bon nulle part, en fait. À part peut-être sur une autre planète. Je peux essayer? D'aller sur une autre planète? Non, de me battre contre toi. T'es malade, toi. Allez, je sais que ça me fera du bien. Tu le sais, les grands riches contrôlent la planète depuis plusieurs années. Et ils disent vouloir maintenir la paix, vouloir nous protéger, pendant que la NOJ, la nouvelle organisation écologique, tente de trouver une solution contre le réchauffement climatique. Oui, et c'est ce qu'ils font. Non, j'en suis pas si sûr. Depuis qu'ils nous gouvernent, on a tout perdu, on n'a plus de liberté, on est considérés comme des animaux dans des bunkers, là. Non, mais c'est en attendant qu'ils trouvent la solution pour tous nous sauver. Mais peut-être que toi t'y crois à cette solution, mais moi j'y crois pas. Alors c'est quoi votre combat? Il est clair, renverser l'ordre des grands riches. Mais pourquoi? Parce que on veut retrouver nos libertés. J'ai compris en fait. Ce combat tu le fais que pour toi? Non. Je le fais pour l'humanité. Jules, j'ai besoin de gens comme toi, de gens qui sont enfuis de là où ils venaient, de gens qui, comme nous tous, ont pour ennemis les grands riches. S'il te plaît, rejoins-nous. Et tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Fallait pas qu'on les accepte avec nous. Elias, commence pas. T'insinues quoi? Si t'avais pas quitté ton territoire, on n'en serait pas là. Mais on est toujours en vie pour l'instant. On va trouver une solution. Solution? Mais ça fait 2 semaines qu'on est enfermé ici. 2 semaines que les hyènes menacent de faire péter ce bunker. Oh non. Hein. Ça pète pas ça. C'est une porte qui peut résister à des explosions nucléaires. Mais on s'en fout ça. Putain, Caleb, faut les virer. Non, personne se fera virer. Mais Caleb, je comprends pas pourquoi tu les défends. C'est les seuls responsables. Responsables de quoi? Vous avez attiré les hyènes ici, c'est à cause de vous si on est enfermé. On était pourchassés. Et par hasard, vous auriez pas attiré les hyènes pour nous tendre un piège? Mec, t'es parano. Parano, non, juste réaliste. Mec, ferme-la en fait. Ferme. Je veux plus jamais aucune embrouille entre vous deux. Mais Caleb! J'ai dit plus jamais!
Elena, on peut tenir encore combien de temps au niveau des provisions? Au niveau nourriture, 2 semaines de plus. Au niveau de l'eau, même pas 10 jours. Écoutez, on est désolé. Mathilde. Mec, je suis désolé. J'aurais pas dû m'énerver comme ça tout à l'heure. C'est Caleb qui t'a demandé de t'excuser? Ouais, j'avoue. Ok, merci. Tu peux partir? Mais non, attends. Faut que je te dise un truc. Quoi? Tu vas encore m'insulter? C'est bon, arrête. Bon, comme t'as pu le deviner, je suis un Antillais. Un peu extrême. Mais bon. Tout a commencé il y a 5 ans. Quand j'ai perdu toute ma famille. Quand j'avais 13 ans, je vivais avec mes parents et mon petit frère, à quelques kilomètres d'ici. Tout se passait très bien. Jusqu'au jour où les hyènes ont débarqué et... ils ont tout saccagé dans le bunker. Tout. Et ils ont tué tout le monde, y compris ma famille. Mais moi, je me suis enfui. Je suis resté tout seul pendant plusieurs mois. Sans aucune communauté. Sans personne. Et sans famille. Mais je suis tombé sur Caleb et Antoine, qui m'ont cueilli dans ce bunker. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est pour ça que tu veux te venger aussi? Ils m'ont tout pris, je vais me venger, et je vais tous les tuer un par un. Tu crois que ça fera ton deuil? Je sais pas, mais je sais que j'en ai besoin. Ça sert à rien, mec. Les hyènes sont trop puissants, tu pourras rien faire. Si, grâce au plan qu'on a mis en place avec Antoine, Elena et Caleb, on peut y arriver. Mais il faut que tu comprennes que si vous restez là avec Mathilde, vous risquez de compromettre tous nos plans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? S'il te plaît, rends-toi. Comme tu l'as dit, ils sont trop puissants. Ils vont finir par vous retrouver. Donc, pour la résistance, pour moi et pour ma famille, rends-toi. Putain! J'en peux plus, j'en ai marre d'être enfermé, je dois sortir là. Tu vas me faire par côté de l'osrophobe. Non mais j'ai chaud, j'ai soif. C'est trop dur. On savait que le monde extérieur était invivable. Non mais ça se voit que je suis trop dans mon cœur. Je vais aller me rendre. Mais ça sert à rien, Julie, ils nous veulent tous les deux. Je suis vraiment désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Ah non, c'est moi qui suis désolée, c'est ma faute, c'est moi qui voulais partir. Non Mathilde, non. Je sais que t'es heureuse d'être là. Enfin, c'est un style de vie qui te convient mieux. Et toi, tu t'en vas à ta place ici? Non, en effet. Enfin, comme d'habitude, hein. Qu'on soit ici ou à la maison, ouais. Je suis pas fait pour ce monde de merde. J'ai jamais été compris. Jamais été à ma place. C'est pour ça que je dois me rendre. Je dois rentrer chez nous pour vivre en sécurité. Si tu retournes, ils te considéreront comme traître et t'exécuteront. Non. Tu le sais, ils me feront comme mal. Excusez-moi de vous déranger, mais Caleb demande à vous voir. On arrive dans une minute. Non, c'est maintenant. Ok, on arrive. On en reparle plus tard. J'ai contacté tous nos alliés pour qu'ils nous viennent en aide. Malheureusement... toutes les réponses sont négatives. Ils disent qu'on n'est pas assez nombreux pour qu'ils viennent nous sauver. On va devoir se débrouiller seul. On est 6. Et eux en haut, ils sont je sais pas combien. C'est pour ça que je dois partir. Comment ça? Ils me veulent moi. Si je me rends, ils vous laisseront tranquille. Jules, je te l'ai dit, ils nous veulent tous les deux. Je leur dirai que t'as été tué dans le bunker. Elias, qu'est-ce que tu lui as encore dit? Non, c'est ma décision. Jules, rassieds-toi. Tout est de ma faute. Je dois y aller. Jules, viens avec moi. Maintenant. Il va vraiment falloir que tu m'expliques quel est ton véritable objectif. Qui es-tu réellement? Tu veux partir, mais vas-y, je t'en retiens pas. Tu n'es qu'un gamin, tu nous jettes tous dans la tombe. Tu connais rien des hyènes. Je les connais pas. Si. Si, je les connais très bien.
Je connais leur méthode. Parce que j'en faisais partie. T'es un déserteur. Je suis né dans une famille de grands riches. Mon père était un haut placé dans le gouvernement. Sauf qu'il a compris toute la manipulation que la Noge entreprenait. Donc tu t'enfuis. C'est mon père qui m'a fait évader. Il y a 6 ans. Et il m'a expliqué le combat que je devais mener jusqu'à ma mort. C'est pour ça, la résistance. Oui, je suis en train de la créer. Il y a beaucoup de groupes d'opposition sur le territoire et clairement, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que j'ai pour objectif de créer la résistance. Celle qui fera tomber les grands riches. Jules, avec les autres, on a un plan qu'on doit suivre à la lettre. Alors tu dois me faire confiance, tu ne dois pas partir. Ok. L'aube de la résistance vient d'apparaître. Cette lumière, on doit la maintenir allumée. Tu dois la maintenir allumée. Chiant ça. Allez, dépêche-toi. Mathilde. J'en sais rien, moi. Mathilde ! Non mais va la rejoindre. Oh, passe-moi là, Mathilde. Putain, je vais dans la salle, s'il te plaît, ouvre-moi avec moi. Putain, c'est bloqué. Les gars, venez vite, on a un gros souci là. Dépêchez-vous, putain. Qu'est-ce qui se passe ? Mathilde est enfermée, il a fumé 40 heures à la salle. Il a fumé ? Putain, elle est où, Mathilde ? Je sais pas comment ça se fait, mais c'est bloqué là. Il y a pas de cellule. Non, c'est un système informatique. Il faut remettre le courant. Galet ! Ils ont fermé Mathilde dans la salle d'armes, ils ont injecté du gaz. Putain, les enfoirés nous ont piratés. Faut qu'on se dépêche de remettre le courant, sinon on va mourir. Putain, allez. Il faut vraiment que tu ouvres cette porte, Jules. Surtout, mette pas. Non, mais moi j'ai pas de force. Par contre, j'ai de la dynamite. Quoi? Ouais, dans mon labo. Mais, va la chercher. Non, mais c'est une porte qui résiste à des explosions nucléaires. Je m'en fous. C'est pour faire péter la serrure, vite. Ok, c'est bon. Putain, mais c'est fou, y'a rien qui marche là! T'as tout essayé? Oui, je t'ai essayé, Mathilde aurait trouvé une solution tout de suite! Mais tu veux que j'aille la voir ou pas? Non, faut qu'elle se faire gazer, faut qu'elle ait commis son souffle là! T'as pas une solution toi? Si, j'en ai une, mais bon, si ça marche, la porte s'ouvre, mais si ça marche pas, tout le bunker explose! Et combien de chances que ça explose? Je sais pas, je dirais 75%. Ça nous laisse 25% de chances que ça explose pas. C'est ça, bien joué. Et bah allez! Et c'est quoi là, tout à l'heure? T'inquiète, je prends les fils de tournage. Tu es plus de gens que toi? Oui, c'est bien. Alors, tu vas prendre ça, tu vas te mettre devant la porte où tu veux, et puis dès que ça pète, tu vas prendre un échantillon du gaz, d'accord? Ça va pas me tuer? Oh, on veut en plus un, hein? Voilà, attends, je peux y aller. Dix, neuf, six, quatre. Ah merde. Voilà, je... 10, 9, 8, oh putain, 4, qu'est-ce qu'il y a? J'ai réussi. 2, non arrête, c'est ouvert. Mathilde, ça va? Oui, ça va. T'as pas de problème respiratoire toi? Non, je te jure, ça va. Putain, le gaz est en train d'entrer partout dans le bunker. Bon, ça craint rien, hein. Jules, Mathilde, Elena et Antoine, vous êtes dans le labo. Là-bas, le gaz entrera pas. Tu fais quoi avec Elias? Les hyènes vont tenter de rentrer. On va les retenir. Je viens avec vous. Non, Jules, tu vas avec Antoine. Caleb, je viens avec vous. Ouais, Caleb, tu viens avec moi. Allez, on y va. Elena, j'espère que t'as l'échantillon. Oh non. Elena. Mais évidemment que je l'ai. Mais qu'est-ce que tu peux être idiote? Tu vas faire quoi avec ça? Eh bien, confirmer ce que je pense. Putain, j'ai envie de pisser. Tu pisseras quand on les aura défoncés. Trop tard.
Oh bordel. Quoi? C'est du résilium. Quoi? Antoine, il t'arrive quoi là? Oh Antoine, je te parle. Est-ce que dans son milieu? On parle bien du même résilium? Y'a qu'un seul résilium. C'est toxique? Oh bah non, pas du tout. Il nous gaze avec ça alors? Oh bah je sais pas. Résilium, c'est une source d'énergie. C'est explosif. Ouais. Oh bordel de... Canette, revenez vite! Ça peut péter! Ok, il faut qu'on parte. Maintenant. Allez, allez! Alors, c'est quoi ce gaz? Le résilium. Hein, quoi? Oui, on est clairement pris au piège, je sais. Comment ça? Vous voulez qu'on se rende? Jules, je négocie avec les gars. Non, non, non! Il reste pas des munitions dans ce labo! Je vais aller les voir, hein. Ils vont me ramener chez moi. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que c'est à cause de moi si on est dans cette posture. Tout est de ma faute. Jules, qu'est-ce que tu nous caches? Mathilde... Non, s'il te plaît. S'il te plaît, Jules, dis-moi tout. Ne m'obligez pas à le répéter. Laissez-nous tranquille! Alors ici, c'est moi qui donne les ordres. Vous êtes sur un territoire appartenant à la Noge. Non, 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 on est chez nous! Écoutez-moi, on veut juste récupérer deux personnes qui sont sorties illégalement de leur territoire. Non. Non, vous ne les donnera pas! Je pense que vous ne savez pas qui vous avez accueilli dans votre bunker. Si, 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 je sais très bien, c'est deux personnes formidables qui, comme nous tous, méritent une vie paisible! Je ne comprends pas votre combat, monsieur Calebdios. Vous vous battez contre les hyènes. Mais vous en accueillez deux chez vous. Quoi? Comment ça? Vous n'étiez pas au courant? Vous avez accueilli mademoiselle Mathilde Rose Park et monsieur Jules Lasker, deux enfants de déserteurs. Mathilde et Jules ont quitté la base des Yen il y a 6 mois. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Ils avaient peut-être envie d'une vie de pouilleux. Vous voulez juste pas avoir affaire à moi? Non, toi, ferme-la! Caleb, Non! Ferme-la, ferme-la, ferme-la! Toi aussi, Mathilde. Je veux pas vous entendre dire un seul mot! Caleb Dios, donnez-nous Mathilde et Jules, et nous vous laisserons en vie. Si vous refusez, nous ferons exploser votre bunker, et donc votre petite résistance de pacotille. Caleb, on va tout expliquer. J'ai dit que je voulais rien savoir. Mais s'il te plaît, laisse-moi... J'ai dit que je voulais rien savoir! Antoine, dis-moi que t'as une solution pour sortir de là. Évidemment. Bon, allez, dis-nous tout, qu'on en finisse là. Tout le bunker, sauf le labo, est rempli de résilium. Le résilium, c'est pas toxique. C'est hautement explosif. J'imagine que tu veux tout faire exploser. Exactement. Une petite braise dans tout le résilium. Sauf mon labo. Le seul problème, c'est que quelqu'un va devoir l'allumer. Donc quelqu'un doit mourir. Exactement. Quelqu'un doit mourir. C'est à moi de le faire. Non, non, clairement c'est pas à toi de le faire, non. Si, Caleb. Si je t'avais pas menti, on en serait sûrement pas là. Oui, mais tu es l'avenir de notre combat. C'est toi qui vas faire tomber les grands riches. C'est toi qui nous vengeras tous. Oui, mais on a besoin d'un grand groupe pour ça. Tu es le seul capable de créer Elias, ce groupe. Partez à la communauté Sunflower, à plusieurs kilomètres d'ici. La communauté d'Alan. Exactement. J'ai confiance en lui. Caleb, laisse-moi m'expliquer. Quand tout aura explosé, vous partez rapidement. Il y a des renforts qui pourraient arriver, donc... Faites attention à vous. N'oubliez pas, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre. Et elle ne s'éteindra pas. Mathilde et Jules. Ils sont pas disponibles. Monsieur Dios, veuillez immédiatement repartir.
quartier et nous envoyer sur le champ Mathilde et Jules. Une petite braise dans tout le résilium. Bon allez, il faut y aller. Les renforts vont arriver. On est tellement désolé. Caleb ne voulait pas entendre vos excuses. C'est pour une bonne raison. Respectez ça, s'il vous plaît. On doit partir. On n'a pas le choix. Non. Je reste ici. Hein, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je reste ici ! Elena, tu peux pas rester là. Les hyènes vont revenir, on doit partir. Non, j'ai pas envie, je vais rester ici. Arrête tes conneries, Elena. Antoine, respecte mes choix, s'il te plaît. Je veux continuer ma vie ici. Je veux rester. Elena. Fais attention à toi. Elias, elle va se faire capturer. Fais attention à toi. Dans ta communauté. La résistance est là. Quoi ? Ben, qu'est-ce qu'ils font là ? Je sais pas, des merdes avec eux. Et donc, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. D'accord, donc c'est Caleb qui vous a demandé de venir. Oui, il m'a dit qu'on pourrait vous faire confiance. Ouais, vous avez bien fait. Oui, mais quand même, 4 personnes à héberger, ça fait beaucoup, non ? On est débrouillards, on a plein de compétences. On saura améliorer la vie de la communauté. Bon, habituellement, le règlement stipule que lorsqu'une personne veut intégrer la communauté, chaque membre doit voter. Et d'habitude, c'est Alan qui gère ça, mais là, il s'est absenté et reviendra d'ici une ou deux semaines. Et tu peux pas le faire, le débat, toi ? Bah, normalement, non. Mais peut-être qu'on peut faire une exception, au vu de votre position. Merci, Alice. Je vous garantis rien, hein. Je vais faire mon possible. Merci. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout non plus. Non, mais là, ils sont trop nombreux. Ouais, mais ces gens-là, ils sont bourrés de talent, ils vont vraiment pouvoir nous aider. Non, non, on est trop nombreux, non. Pff, il me saoule celui-là. Mais ils viennent d'où d'ailleurs ? Ils viennent de quelques kilomètres d'ici. Leur bunker a été ravagé par les hyènes, ils n'ont nulle part où aller. On a de la chance qu'ils soient venus là, ils ont des tas de compétences. Confirme, c'est un grand non ! Les gars, il est de notre devoir de les accueillir. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je m'appelle Jules. Avec mon ami Mathieu, on a rencontré ces personnes il y a quelques semaines. Elles ont du talent, des qualités, des compétences techniques incroyables. On saura s'adapter à vous et vous apporter nos compétences, notre bonne humeur. Alors s'il vous plaît, acceptez notre intégration. Merci pour cette intervention, Jules. On va maintenant procéder au vote. Alors Jules, Elias, Antoine, Mathilde, vous demandez de sortir, s'il vous plaît. Merci, Alice. D'accord. On va procéder à main levée. Qui est contre ? Bon, du coup, vous pouvez rester. Par contre, je compte vraiment sur vous pour faire votre maximum pour nous aider. On te le promet. Elle est vraiment dégueulasse, ta nouvelle coupe. Non, c'est stylé. Mais tu rigoles, c'est une catastrophe, tout rasé, là. Mais non. Mais c'est bon, je rigole.
T'es heureuse? Bah, je me sens à ma place. Et toi? Ouais, je sais pas trop. Écoute, je te promets qu'on va continuer le combat. Ouais, je sais. Je l'ai promis à Caleb. On doit le continuer. On va le continuer. I've got straight eyes in my face. I don't want to leave this place. I've got straight eyes in my face in this beautiful night. I've got straight eyes in my face.